Ben merci. Merci François. Merci aux artisans du changement. Merci à l'Université de Nantes de m'accueillir. Et merci à vous. Merci à vous toutes. Merci à vous tous d'être là ce matin. Merci de vous être arrêtés. C'est un mot qui est devenu tellement important dans ma vie. Je ne crois pas qu'on puisse apprivoiser le stress. Je ne crois pas qu'on puisse intégrer à sa vie du sens et du plaisir, tant dans le travail qu'à l'extérieur du travail, si on ne s'arrête pas, si on n'intègre pas ce mot à son vocabulaire. Le mot « s'arrêter » dans ma tête est devenu un mot révolutionnaire. Ça prend à mes yeux une certaine dose de courage à notre époque pour s'arrêter. Et pourtant, il est absolument impossible d'apprivoiser le stress si on n'inscrit pas dans sa journée quelques moments d'arrêt. Je ne parle pas de s'arrêter une journée, deux jours, une semaine, un mois. Je parle de s'arrêter une minute de temps à autre pour observer ce qui se passe dans notre tête. Et merci d'avoir créé cet espace, ce temps d'arrêt ce matin. Merci à vous de vous être arrêtés. On me demande souvent pourquoi je fais ce que je fais et je réponds toujours que je suis dans un sentiment d'urgence, curieusement. Je crois qu'il est devenu urgent que nous nous arrêtions, que nous soyons de plus en plus nombreux et nombreux à nous arrêter dans des espaces de parole, dans des espaces de dialogue, parce que je ne crois pas qu'on puisse prononcer la phrase suivante, et cette phrase est très importante dans ma vie. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Je ne crois pas qu'on puisse prononcer cette phrase s'il n'y a pas eu d'espace de parole et d'espace de dialogue. Et quand je dis « je n'avais jamais vu ça comme ça », je viens de changer. Et quand quelqu'un devant moi dit « je n'avais jamais vu ça comme ça », cette personne vient de changer. Et je pense qu'il faut se donner des espaces de parole et de dialogue, et c'est urgent, afin de pouvoir dire « je n'avais jamais vu ça comme ça ». Il y a trois bonnes raisons, à mes yeux qui justifient qu'on s'arrête. Pour réfléchir à des manières d'apprivoiser le stress, de réfléchir sur le plaisir, le sens. Vous savez, ça fait 30 ans que je soigne des personnes qui ont craqué dans leur travail. Mon objectif, c'est de les accompagner dans un retour dans un travail. Le même, un autre, peu importe, mais que ces personnes-là puissent travailler à nouveau. Quand elles arrivent dans mon bureau, elles sont brûlées, vidées, épuisées. Et quand je les regarde, je me dis, c'est inquiétant. Parce que quand ces personnes ont commencé à travailler, elles étaient passionnées. Elles avaient choisi un métier. Elles étaient littéralement... Il y avait une flamme qui les habitait, une flamme intense. Et quand elles arrivent dans mon bureau, cette flamme est réduite à une toute petite flamèche qui ressemble à ce qu'on a sur les fours à gaz chez nous. Là, on appelle ça le pilote. Là, c'est grand comme ça. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ça m'inquiète toujours d'avoir un enseignant, une enseignante chez qui la flamme est presque éteinte. Parce que je me dis, si la flamme est éteinte dans cette personne, de quoi cette personne a-t-elle l'air dans les yeux de 30 bouts de chou qui la regardent? Et la même chose chez un soignant, une soignante. Je me dis, de quoi ça a l'air un soignant et une soignante chez qui la flamme est éteinte dans les yeux d'une personne soignée? C'est donc important de trouver le moyen de garder la flamme allumée. Et c'est ce dont on va parler ce matin. Trois bonnes raisons qui justifient qu'on s'arrête pour réfléchir à des manières de garder la flamme allumée, d'apprivoiser le stress, de garder l'intérêt, la passion. Première bonne raison, pour prévenir des problèmes de santé. J'ai un ami médecin qui m'a dit il y a quelques années, et à chaque fois que je parle de ça, j'ai toujours un frisson. Je me dis, ça se peut pas qu'un médecin me dise ça, et pourtant il m'a le bel et bien dit, il m'a d'ailleurs répété il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, Serge, je ne crois pas au lien qui existe entre ce qui se passe dans notre tête et la manière dont notre corps réagit. J'ai dit, mais d'où tu sors, toi? Il dit, j'ai jamais vu de preuves scientifiques qui démontraient ça. Es-tu capable de me le prouver? J'ai dit, avec plaisir. Je savais qu'il détestait parler en public. Pour lui, faire une conférence, c'était un cauchemar. Mais il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il le fasse de temps à autre. Alors, je lui ai simplement posé la question suivante. Se pourrait-il que la demi-heure qui précède le moment où tu dois faire une conférence, tu ailles plus souvent à la toilette? Il dit, oui, pourquoi? Ben, j'ai dit, c'est quoi la différence entre cette demi-heure-là et les autres demi-heures de ta vie? Se pourrait-il que ce soit quelque chose qui se passe dans ta tête, qui t'amène à aller plus souvent à la toilette? J'ai dit, imagine s'il fallait que tu donnes une conférence tous les jours, dans quel état serait ta vessie et ton intestin après quelques années? Il dit, j'avais jamais pensé à ça. Ben, j'ai dit, il était temps. Tout le monde ici, on connaît des personnes qui, en période de stress intense, vivent des problèmes de peau, de digestion, d'insomnie. C'est extrêmement clair. Il y a un livre magnifique qui a été écrit par un psychiatre français. On l'a malheureusement perdu il y a 3 ans, David Servan-Schreiber.
C'est un best-seller, Guérir. Il fait la preuve 1 plus 1 égale 2 des liens qui existent entre ce qui se passe dans notre tête et la manière dont notre corps réagit. Je viens de vous parler du corps. J'aimerais maintenant vous parler de la manière dont on se sent. Il est impossible, à mes yeux, de parler de santé à notre époque si on ne parle pas de la manière dont on se sent. On traverse beaucoup de crises dans cette société, mais il y en a une qui m'interpelle particulièrement. Le journal La Presse, un journal très important au Québec, en première page, en juillet 97, c'est pas hier, première page de la section économie, ça m'a jeté par terre, parce qu'on n'est pas dans le carnet santé, on est dans la section économie. On disait qu'au début des années 80, moins de 2% des prestations d'invalidité de longue durée dans les milieux de travail étaient associées à des troubles psychiques. Moins de 2% au début des années 80. En 97, au Québec, on approchait des 40%. Je suis allé dans des organisations au cours des derniers mois, on est rendu à 70%, 80%. Ça monte sans arrêt. Je dis, la pire des réactions qu'on pourrait avoir devant ça, ce serait de se mettre la tête dans le sable. « Oh, le temps arrangera bien les choses, ça va s'arranger tout seul. » Moi, je ne crois pas ça. Je crois qu'il est devenu urgent qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse, qu'on comprenne ce qui se passe pour colmater cette hémorragie-là. Si on ne trouve pas le moyen d'apprivoiser le stress pendant la journée, bien sûr, on va transporter ce qu'on vit avec soi à l'extérieur du travail. Et la crise dont je parle actuellement, qu'on le veuille ou non, touche toutes les couches de la société. Elle rejoint même nos enfants. Ma petite nièce avait 3 ans. Elle est rentrée de la garderie un soir. Et elle a eu une phrase que j'ai trouvée absolument terrible. À 3 ans, elle a dit, « J'ai vraiment eu une grosse journée aujourd'hui. » Je me disais, il me semble que quand j'avais 3 ans, je tenais pas ce genre de discours. Hein. Ça m'a tellement impressionné que je me suis penché vers elle. J'ai dit, raconte-moi donc ça, cette journée-là. Ben, je vous avoue que quand elle a eu terminé, moi aussi, je trouvais qu'elle avait vraiment une grosse journée. J'ai parlé de ça dans une école. Il y a une enseignante qui est venue me voir à la pause. Elle m'a pris le bras comme ça. Elle m'a dit, ça m'a profondément touché quand vous avez parlé de votre nièce. J'ai un petit bonhomme qui a 7 ans. Un matin, cette semaine, il m'a pris par la manche, puis il m'a dit, « Maman, j'ai quelque chose à te dire. Et je vous rappelle, je suis enseignante. » Il m'a dit, « Maman, je souffre beaucoup de stress quand je vais à l'école. » Encore là, je me disais, quand j'avais 7 ans, je ne connaissais pas le mot « stress ». Et c'est normal, parce que quand j'avais 7 ans, et je ne suis pas si vieux que ça, le mot « stress » n'était à peu près pas utilisé sur la planète. Il y avait un individu qui s'intéressait au stress en rapport avec les humains sur la planète quand j'avais 7 ans. Il s'appelait Hans Sillier. Il travaillait dans un laboratoire à l'Université de Montréal. Il passait ses journées à stresser des rats et bien du monde, ça a l'air. Mais c'est la seule personne qui s'intéressait au stress en rapport avec les humains quand j'avais 7 ans sur la planète. Aujourd'hui, on rentre dans n'importe quelle librairie. Il y a des rayons entiers de livres consacrés au stress. Les magazines populaires, il y a des articles là-dessus chaque mois. Ça se vend. Il s'est passé quelque chose. Maman, je souffre beaucoup de stress quand je vais à l'école. Encore là, je me dis, au fond, c'est intéressant. Parce que pour qu'il utilise une phrase pareille, il faut déjà qu'il ait intégré un concept. Il faut qu'il ait lié le sens qu'ont les deux mots, souffrir et stress, dans sa tête. Je me disais, c'est une bonne chose, au fond. Ça va peut-être l'obliger très tôt dans sa vie à développer des moyens, des stratégies pour faire face plus tard à des situations difficiles. Mais en même temps, je me disais, il me semble que 7 ans, c'est de bonheur pour utiliser une phrase pareille. Une de mes grandes amies travaille dans un pénitencier pour femmes. Elle m'a dit qu'un midi, elle avait déjeuné avec l'aumônier de la place et que l'aumônier lui avait dit, « Tu sais, si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, ce n'est pas les paralytiques qui feraient marcher. Ils feraient marcher ceux qui courent. » Intéressant, hein? Autrement dit, c'est une phrase qu'on devrait écrire un peu partout. Ça prendrait un miracle pour nous ralentir, puis il y aurait beaucoup de travail. Donc, une première raison pour s'arrêter et réfléchir à des manières d'apprivoiser le stress, c'est pour prévenir des problèmes de santé. Colmater l'hémorragie qu'on retrouve actuellement dans beaucoup de milieux de travail. Éviter que les enfants continuent à perpétuer un tel discours. Moi, je trouve qu'on oublie beaucoup trop souvent que les enfants apprennent par modélisation. Et je me demande souvent, quel genre de modèle sommes-nous en train de fabriquer et d'offrir? Deuxième bonne raison pour s'arrêter et réfléchir à des manières d'apprivoiser le stress, c'est pour, évidemment, cette raison est devenue super importante dans ma vie, c'est pour profiter au maximum de notre vie. J'ai vu un film il y a plusieurs années, un film fait par un Québécois, ça m'a profondément marqué, Jean Baudin, son nom.
avec des grands acteurs québécois, Pascal Bussière, James Inman. Le titre du film « Souvenirs intimes ». J'aime mieux vous prévenir, peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui auraient envie de voir ce film. C'est un film extrêmement dur. Il y a certains endroits où on m'a même reproché d'en avoir parlé. Alors, je vous préviens, si jamais vous regardez ce film, « Souvenirs intimes », c'est très, très dur. Mais dans ce film, il y a un jeune homme d'environ 16-17 ans qui a un accident de voiture très grave. Il se casse la colonne vertébrale très haut. Il va être paralysé jusqu'en bas pour le reste de ses jours. Il ne le sait pas, il est dans le coma. La scène qui m'a marqué, c'est la scène au cours de laquelle il vient tout juste de sortir du coma. Et là, le médecin doit lui apprendre qu'il va être paralysé jusqu'en bas pour le reste de ses jours. C'est pas facile à faire, mais il faut que quelqu'un le fasse. Le médecin s'approche de lui et lui dit ceci. À partir d'aujourd'hui, et là, il prononce trois mots. Ces trois mots sont devenus les trois mots, je vous assure, les plus importants dans ma vie. 30 années de travail sur le stress, la fatigue, l'épuisement, la perte d'intérêt, la démotivation, etc., m'ont permis d'arriver à la conclusion que ces trois mots-là renfermaient la clé de notre pouvoir sur le stress et une grande partie de la clé de notre pouvoir sur notre vie. Si vous ne reteniez que ces trois mots-là de toute la conférence, ça aura valu la peine à mes yeux. Alors, le jeune homme vient de sortir du coma, vient d'ouvrir les yeux. Le médecin s'approche de lui et lui dit ceci. À partir d'aujourd'hui, tu vas aller placer, P-L-A-C-E-R. C'est un verbe. Il y a du mouvement là-dedans, du pouvoir là-dedans. Il lui dit, tu vas aller placer ton attention. Le mot-clé, quand on s'intéresse au stress, à la fatigue, à l'épuisement, etc., c'est le mot attention. J'ai des textbooks épais comme ça sur le stress à la maison. Le fil conducteur qui traverse tous les chapitres, c'est le mot « attention ». Alors, le médecin dit au jeune homme, à partir d'aujourd'hui, tu vas aller placer ton attention sur la région de ton corps qu'il y a entre la base de ton nez et ta lèvre supérieure. Oum! Et il lui dit, à partir d'aujourd'hui, c'est très puissant, tu vas découvrir toutes les sensations que t'apporte cette partie de ton corps, les picotements, les chatouillements, les engourdissements. Je me disais, c'est une scène extraordinaire. Il est en train de lui redonner son pouvoir. Parce que le danger qui guette ce jeune homme, c'est d'aller placer son attention uniquement dans la région de son corps qui est morte et de n'habiter que là pour le reste de ses jours. Catastrophe. Pourquoi moi? C'est pas juste. Ma vie est foutue, etc. On ne se le cachera pas. Il faut qu'il aille pour faire le deuil. Mais il faut qu'il ramène son attention dans des régions de son corps qui sont vivantes pour pouvoir en profiter. Le médecin sort de la chambre. C'est une scène magnifique parce qu'on s'aperçoit qu'il a oublié de dire quelque chose. Il entre dans la chambre. Il s'approche du jeune homme et lui dit ceci. « Hey, don't miss the show. Ne manque pas le spectacle. » Je me dis, c'est fabuleux. Il est en train de lui dire, « Écoute, même si tu as la colonne cassée ici et que tu es paralysé jusqu'en bas, il y a encore un spectacle de disponible. Il en tient à toi maintenant d'avoir l'attention nécessaire pour pouvoir en profiter. » C'est tellement vrai. L'histoire que je vais maintenant vous raconter, je la tire d'un écrivain qui s'appelle Anthony Demello, dont j'aime beaucoup les écrits, et qui racontait l'histoire suivante. Vous avez acheté des billets pour un spectacle, hein? Don't miss the show. Je n'ai pas commencé ici à Nantes, mais moi j'habite la région de Montréal et je trouve que c'est devenu complètement fou. Si on veut avoir des bons billets pour un spectacle, il faut s'y prendre au moins un an à l'avance. Vous avez pris la peine de téléphoner un an à l'avance. Vous avez même eu la patience d'attendre sur la ligne 15 à 20 minutes avec la petite musique. Tous nos préposés sont occupés. Votre appel est important pour nous. Bla, bla, bla. Vous avez enfin réussi à parler à quelqu'un. Vous avez acheté d'excellents billets. Un an plus tard, c'est le soir du spectacle. Vous êtes dans le milieu de la salle, dans le milieu d'une rangée. Les lumières s'éteignent. Les rideaux s'ouvrent. Le spectacle commence. Ça fait un an que vous attendez. Vous éprouvez nécessairement un bien-être. De la joie. Mais après 3-4 minutes, il y a cette petite voix, chez nous on dit, qui commence à jargonner dans votre tête. Ça fait au-delà de 20 ans que je l'appelle notre petit hamster intérieur. Il commence à courir comme ça dans sa roue. Et là, il fait,
Est-ce que j'ai verrouillé ma voiture, coudon? Et là, ça court, ça court. Je peux quand même pas me lever tout de suite. Il fait noir, je vais déranger tout le monde. Ça court, ça court. Vous avez hâte que l'entracte arrive. Vous trouvez même que ça passe pas vite, même si ça fait un an que vous attendez. L'entracte arrive, vous vous précipitez vers votre voiture. Elle était verrouillée. Mais vous avez manqué toute la première partie du spectacle. Pour une seule raison, parce que votre attention était ailleurs. Vous êtes en vacances, sur le bord de la mer. Vous vous bercez doucement dans un hamac. La température est idéale. Il y a une petite brise qui caresse votre peau. Vous écoutez le bruit des vagues, comme une musique. Il y a même une paille qui part de votre bouche, puis qui descend dans un verre, quelque chose que vous aimez. Et là, en vacances, sur le bord de la mer, dans un hamac, le petit hamster commence à courir. Il fait, je recommence à travailler dans 3 jours. Comprenez-vous? Immédiatement, c'est le syndrome du ballon-boule. Le ballon dans l'estomac et la boule dans la gorge. Pourtant, c'est la même température, le même hamac, la même brise, les mêmes vagues, la même paille. Qu'est-ce qui s'est passé? Une seule chose. C'est là où est rendue votre attention. C'est une question fondamentale. Plus je vieillis, plus je trouve que le spectacle, il est court. J'ai perdu un très grand ami, un gars que j'ai connu, j'avais 14 ans. On était restés extrêmement liés. Sa sœur est mariée avec mon frère. Ses parents sont des amis de mes parents. On passait toutes les fêtes de Noël ensemble. Au Québec, on dit toute la gang. Il y a quelques années, je suis allé à Québec faire une conférence. J'étais à Montréal, quand même 2h15 de voiture. Et il m'avait toujours dit, « Serge, j'aimerais tellement ça t'entendre en conférence, mais il ne savait jamais à donner. » Ce soir-là, au début de la conférence, il ne me l'avait pas dit. Je le vois entrer dans le fond de la salle avec sa conjointe. Pour moi, c'est une surprise. Je suis rempli de joie. À la fin de la conférence, on s'est vus, on s'est serrés dans les bras. On s'est même fixé un rendez-vous pour manger ensemble peu de temps après. La fin de semaine qui a suivi, est allé marcher dans une montagne près de Québec. Ça s'appelle le Mont-Sainte-Anne. C'était le début du mois d'octobre. Il faisait beau. Il y avait encore plein de couleurs dans les arbres. Il est tombé 3 fois sans raison. Il est allé passer des examens. On a découvert chez lui un cancer au cerveau. Quand j'ai appris ça, je lui ai écrit pour lui dire à quel point j'étais bouleversé. Il m'a répondu ceci. « Si tu savais la signification que vient de prendre pour moi un rayon de soleil. » J'oublierai jamais ça. Il me disait que tout à coup, le plus possible, son attention allait être sur le spectacle. Mais pourquoi faut-il attendre d'avoir le nez sur le mur pour prononcer une phrase pareille? Il avait toujours rêvé d'avoir un aquarium à l'eau salée. Je ne savais pas que ça existait, ça, moi, les aquariums à l'eau salée. J'ai appris ça à travers lui. J'ai entre autres appris que c'est très compliqué. Il faut que ça fonctionne pendant au moins 2 semaines avant d'être capable de mettre un poisson dedans. Parce qu'il faut que ça s'équilibre, la chimie, le pH. Bon. Alors, à chaque fois que j'allais à Québec, j'allais lui rendre visite, bien sûr, parce que je ne savais pas pour combien de temps il y en avait. Un soir, j'arrive chez lui, je suis très étonné parce que sa conjointe me dit qu'il n'est pas là. Je suis étonné parce que j'ai appris dans la semaine qui a précédé que la tumeur avait atteint la moelle épinière et qu'il avait paralysé. Alors, je suis étonné qu'il ne soit pas là. Mais là, sa conjointe m'explique qu'un ami qu'on a en commun est allé avec lui au pet shop l'aider à acheter son premier poisson. Alors, j'essaie de l'attendre. Là, il y a une image que je n'oublierai jamais. Il est assis dans sa chaise roulante comme ça. Il a la tête comme celle d'Humpty Dumpty, là, tellement il prend des médicaments. Et il a le poisson dans un sac comme ça. Et là, il me regarde et il me dit, « Je suis devenu bébé, hein? » J'ai dit, « Pas dans ma tête. » Et là, il faut déposer le sac dans l'eau et attendre 45 minutes pour que les températures s'équilibrent avant de libérer le poisson. J'ai passé 2 heures devant l'aquarium à regarder le poisson. Au bout de 2 heures, j'ai dit, « Écoute, il faut absolument que je parte. » Il a prononcé une phrase tellement forte, là, c'est le plus bel héritage qu'il pouvait me laisser. Il a dit ceci, « Serge, au cours des 2 dernières heures, je n'avais plus de maladie. » Il est mort 2 mois plus tard. 0 stress, cancer au cerveau. Et ce n'était pas du déni. Il faisait tout ce qu'il fallait, chimiothérapie, radiothérapie. Pourquoi 0 stress? Parce que toute son attention était complètement sur le spectacle. Le hamster était au repos. D'ici la fin de la conférence, je vous donne les outils pour calmer la bête. Parce que j'ai une excellente nouvelle pour vous. On est en mesure de faire ça. Nous avons à l'intérieur de nous cette capacité. Mais juste avant de vous dire comment faire ça, il faut que je dépose ici 2 principes. Premier principe, mesdames, ça ne vous fera pas plaisir. L'attention ne peut pas être à 2 places en même temps. On le savait pour les hommes, mais on ne le savait pas pour les femmes. C'est super intéressant parce que
On sait que vous êtes capable de faire plusieurs choses à la fois, mais pour un moment précis, l'attention ne peut être qu'à un seul endroit à la fois. Je vous donne un exemple. Je suis dans ma voiture, je suis en train de conduire, ma conjointe me parle, le bulletin de nouvelles commence, il y a une nouvelle qui m'intéresse. J'ai deux options. Première option, et c'est déjà prendre un risque, c'est d'informer ma conjointe qu'il y a une nouvelle qui m'intéresse. C'est déjà prendre un risque, parce qu'elle pourrait réagir ainsi. Ah! Les nouvelles sont plus intéressantes que ce que j'ai à dire. C'est une réaction extrêmement intéressante. La réaction de stress, une réaction fabuleuse. Elle est en nous depuis des millions d'années. Elle a permis à l'espèce humaine de survivre. Nous marchions dans la plaine. Aussitôt qu'on entendait un bruit suspect, le cerveau déclenchait la réaction de stress et permettait au corps d'entrer en mode lutte ou en mode fuite pour assurer la survie. C'est formidable. Aujourd'hui, et ça, Mathieu Ricard nous raconte ça, il suffit pendant qu'on parle que quelqu'un en face de nous fronce les sourcils pour que le cerveau déclenche la même réaction que dans la plaine il y a des millions d'années. Parce que le cerveau ne fait plus la différence. C'est archi important. Le cerveau ne fait plus la différence entre la perception d'une menace à la survie et la perception d'une menace à notre ego. Il déclenche exactement la même réaction, les mêmes hormones, adrénaline, noradrénaline, cortisol, les muscles contractés, la mâchoire tendue, etc. C'est fascinant. Et ma conjointe aurait pu réagir comme ça. Si je lui avais dit, ben là, le bulletin de nouvelles m'intéresse, son ego aurait pu réagir, la perception de son image dans ma tête, et elle aurait eu une réaction de lutte, littéralement. De fuite, ça aurait été un peu compliqué dans la voiture, là. Mais de lutte. Alors, c'est fondamental. Bon, on en a beaucoup parlé, ma conjointe et moi, elle n'a pas réagi comme ça. Mais j'aurais pu avoir une deuxième option. J'aurais pu faire semblant de l'écouter pendant que j'écoutais les nouvelles. Ça aussi, c'est prendre un risque. Parce que comme l'attention ne peut pas être à deux places en même temps, si elle me pose une question au sujet de ce qu'elle était en train de dire, je serais incapable de répondre. Mon attention n'était pas sur ce qu'elle disait. C'est fondamental parce que si l'attention est accaparée par la course du hamster, elle n'est plus disponible pour être dans le présent et profiter du spectacle. De là, l'importance de s'entraîner pour développer une capacité extraordinaire que nous possédons toutes et tous, qui s'appelle la vigilance, qui nous permet d'observer où est notre attention. Je vous assure, si on s'entraîne, ça devient un réflexe. Ça permet de dire, « Ah, le hamster vient de recommencer à courir. » D'ailleurs, c'est une petite bête très sensible. Une petite bête qu'il faut caresser de temps à autre. Si elle part à courir, il ne faut pas faire « Ah ben non, mon hamster a encore commencé à courir, je ne serai jamais capable. » Parce que ça, c'est encore le hamster qui court, vous me suivez? On fait simplement faire « Ah, il recommence à courir, c'est pas grave. » Et là, on ramène notre attention dans le présent. Mais pour être capable de faire ça, il faut s'entraîner. Entraînement égale discipline. On nous invite beaucoup dans cette société à nous entraîner physiquement et c'est merveilleux pour prévenir les maladies cardiovasculaires, les cancers, etc. Il y a même au Québec des organismes, Participation, Kino Québec, bon, peu importe, qui nous invitent depuis des années à nous entraîner physiquement. Je rêve du jour où on va nous inviter à nous entraîner psychiquement. Il me semble que c'est aussi important d'entraîner ce qu'on a au-dessus des épaules que d'entraîner ce qu'on a en bas des épaules. Je rêve du jour où à la télé, il y aura des publicités où on nous invitera à nous entraîner psychiquement. Entraînement égale discipline. C'est un mot que j'adore, qui est devenu péjoratif dans certains secteurs de la société, comme si parfois c'était une contrainte à la liberté. C'est ridicule. Le mot « discipline », c'est un mot magnifique. Il vient du mot latin « tichere », qui veut dire « apprendre ». De là, le mot « disciple », d'ailleurs. C'est un mot que j'adore. Alors, je m'entraîne à d'innombrables reprises au cours d'une journée pour apprivoiser la bête. On ne peut pas s'en débarrasser en passant. On ne peut que l'apprivoiser, l'observer. Tous les matins au réveil, depuis des années, la première chose que je fais de la journée, avez-vous remarqué qu'à peine les yeux ouverts, le hamster a déjà commencé à courir? Il y a des personnes qui ont des colonies de hamsters dans leur tête. Hein. Ils en font l'élevage. C'est absolument fascinant. Tous les matins, au réveil, la première chose que je fais de la journée, je n'ai pas toujours le goût
discipline. Je le fais quand même. J'en ai jamais raté une depuis au moins 15 ans. Tous les matins, la première chose que je fais de la journée, je me tourne sur le dos, à plat dos, la tête droite, les deux mains chaque côté du corps, les paumes vers le plafond parce que c'est confortable. Quelqu'un m'a dit il y a quelques années que c'était une position de yoga. Je l'ignorais. La position du cadavre. J'ai trouvé ça très intéressant. Je me dis, s'il y en a un qui n'est pas stressé, c'est bien lui, comprenez-vous? Et la première chose que je fais de la journée, je place mon attention sur ma respiration. Je ne dis pas je respire tout le temps. Si je ne respirais pas, je ne serais pas ici. L'objectif, c'est que l'attention ne soit que sur la sensation de l'air qui traverse les narines, gonfle l'abdomen, très important de gonfler la bedaine. Vous savez, il y a une phrase populaire chez nous qui dit « respire par le nez », là. Elle a des fondements biologiques. Parce que quand je gonfle volontairement l'abdomen, j'étire un muscle qui s'appelle le diaphragme. Je n'ai pas le choix. Si je veux gonfler, il faut que j'étire ce muscle. Et quand j'étire ce muscle, je stimule le système nerveux parasympathique, le système de la relaxation. Je stimule un nerf qui s'appelle le nerf pneumogastrique. Pas très important son nom, là, mais il part d'ici et monte au cerveau. Et il envoie le message de stopper, d'arrêter la sécrétion des hormones du stress. C'est extraordinaire! Et tous les soirs avant de dormir, la dernière chose que je fais, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avant, mais la toute dernière, je me tourne sur le dos, à plat dos, la tête droite, les deux mains chaque côté du corps, et pendant quelques minutes, tous les soirs, depuis des années, je place mon attention sur mon souffle ou sur quelque chose de très concret, les sensations qu'éprouve mon corps à ce moment-là, le contact du corps avec le matelas, la tête avec l'oreiller. Parce que l'attention ne peut pas être à deux places en même temps. Je débranche la roue. Ne croyez rien de ce que je vous dis. Faites-le. Dès ce soir, avant de dormir, je vous invite à le faire. Si vous avez un conjoint ou une conjointe qui vous dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Vous lui direz que vous avez entendu un conférencier flyer ce matin. Hein? Flyer, ça veut dire qu'il était un peu fou ce matin et qui vous a invité à faire ça. Il pourrait l'inviter à le faire aussi. Ça fait du bien quand on le fait ensemble. Ça aussi, c'est très intéressant. Vous l'essayerez ce soir. Vous allez vous rendre compte que ça ne fait pas 3 secondes que le hamster a déjà recommencé à courir. C'est la bête la plus difficile à apprivoiser qu'il y a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité. Si vous vous en rendez compte, vous venez de faire un pas de géant. Parce que la chose la plus difficile à faire, c'est de se rendre compte qu'il vient d'accaparer l'attention. Et à partir du moment où vous en êtes rendu compte, « Ah, c'est pas grave », vous ramenez votre attention sur quelque chose de concret. 3 secondes plus tard, il recommence à courir. Ah, j'ai oublié de faire ça ce matin. Ah, je vais s'en faire demain. Ah, ils viennent en fin de semaine. Ah, on n'est pas prêt. Qu'est-ce qu'on va servir? Ça n'arrête pas. Ça a été très utile d'ailleurs. Hein? Cette capacité est très utile. C'est cette capacité qui a aussi permis à l'espèce humaine de survivre, la pensée. Aujourd'hui, le défi, c'est de découvrir la différence entre les pensées utiles et les pensées inutiles. Celles qui génèrent une souffrance inutile. Celles qui génèrent des maladies inutilement. Parce qu'il y a des pensées utiles, créatives. Pleine de créativité. Mais plus on calme le hamster, plus on permet à la créativité d'apparaître, de s'exprimer, de faire l'inventaire des pistes d'action possibles pour sortir d'une situation difficile, complexe, etc. Donc, si c'est difficile, vous venez de commencer, ça fait 3 secondes, ça n'arrête pas de courir, oh, je ne réglerai jamais ce problème-là, comment ça se passe, oh, mon enfant, blablabla. Comptez jusqu'à 5 en inspirant. 1, 2, 3, 4, 5, et comptez jusqu'à 5 en expirant. 1, 2, 3, 4, 5, 10 secondes. Pourquoi ça fonctionne? Parce que l'attention ne peut pas être à deux places en même temps. Alors, si vous êtes en train de compter, elle n'est plus accaparée par le hamster. Deuxième principe extrêmement important, le cerveau privilégie depuis des millions d'années de mettre l'attention sur ce qu'il perçoit comme une menace. C'est normal. Pendant des millions d'années, il fallait qu'on soit hyper vigilant par rapport à un changement dans la lumière, au mouvement des feuilles, au moindre petit bruit, pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse assurer notre survie. Aujourd'hui, à d'innombrables reprises au cours d'une journée, le cerveau va essayer de vérifier s'il n'y a pas une menace quelque part à notre ego. D'ailleurs, en passant, chez nous, c'est comme ça, je ne sais pas ici, mais le bulletin d'information
On nous présente constamment des mauvaises nouvelles et on utilise de petites phrases subtiles du genre, chez nous, je sais pas ici, ce qui est inquiétant, c'est. Ce dont il faut se méfier, c'est. Alors, dès que le cerveau entend ces mots, parce que quand il entend ce qui est inquiétant, c'est, il privilégie de mettre l'attention sur ce qu'il perçoit comme une menace. Alors, ça fait monter les codes d'écoute, c'est sûr. C'est incroyable. J'ai vu, moi, des gens choisir les nouvelles qu'on nous présentait et dire à des personnes qui présentaient des nouvelles, j'étais dans un studio de télévision, et non, c'est pas assez sérieux, ça. C'est pas assez inquiétant, ça. Simplement parce que... Et c'est peut-être... Ils ne savaient peut-être pas. La personne ne savait peut-être pas. C'est peut-être inconscient, mais... La personne savait qu'il fallait présenter quelque chose que le cerveau percevrait comme menaçant. C'est fascinant. Ceci étant dit, comme le cerveau instantanément va vers quelque chose qui est menaçant, il faut développer la vigilance pour le ramener vers le réel, là où on peut construire, passer à l'action. Maintenant, troisième bonne raison pour s'arrêter et réfléchir à des manières d'apprivoiser le stress, c'est devenu à mes yeux une question de dignité humaine. Et pourquoi je vous dis ça? Moi, je vis dans une famille recomposée. J'étais très, très longtemps été un vieux garçon, un célibataire endurci. D'ailleurs, ma compagne trouve que j'ai encore beaucoup de caractéristiques, mais ça, c'est un autre problème. Je l'ai rencontrée, ça fait au-delà de 20 ans. Je pense qu'elle était contente de me rencontrer, mais sa fille, qui avait 7 ans, pas du tout. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup de soutien, beaucoup d'entraide, beaucoup de reconnaissance mutuelle. Trois facteurs collectifs très puissants pour nous protéger des effets du stress ou pour même éviter que le stress apparaisse. Soutien, entraide, reconnaissance mutuelle. Vous savez déjà ça. Mais la raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'il y a des sociologues qui nous observent et des philosophes et qui ont observé qu'à notre époque, il y avait une augmentation radicale de l'individualisme, du narcissisme, sans que nous nous en rendions compte. Nous laissons glisser entre nos doigts l'impact du soutien, de l'entraide, la reconnaissance mutuelle. Je vous donne un exemple. Quand j'ai fini mon cours de médecine, je suis allé pratiquer à la campagne. Environ, une centaine de kilomètres de Québec. J'habitais dans un rang à l'extérieur d'un village qui s'appelle d'ailleurs Parisville. J'ai trouvé ça fascinant. J'ai découvert Parisville quand j'ai vu l'enseigne. Parisville vous remercie de l'avoir visité. J'étais passé au travers et je ne l'avais pas vu. Mais j'avais loué une maison dans un rang complètement à l'extérieur du village. Je travaillais dans un autre village qui s'appelle Fortierville, à quelques kilomètres de là. Un soir de novembre, j'ai fait du bureau. J'ai vu un dernier patient vers les 23 heures. Et j'ai fait les dossiers jusqu'à 23h30 et je suis rentré chez moi. Cette année-là, c'était la journée où il avait neigé pour la première fois. Quand je suis arrivé devant ma maison, les fossés avaient été complètement remplis de neige. Tout était blanc, uniforme, comme un désert. Je ne voyais plus mon entrée. Je me suis dit, il me semble que c'est à peu près ici. J'ai appuyé sur l'accélérateur et là, boum, les roues sont complètement enfoncées dans le fossé. L'arrière de la voiture était en plein milieu de la route de terre. Il neigeait abondamment. Grande fatigue, visibilité presque nulle. N'importe qui aurait pu arriver et avoir un accident grave. Hamster qui se met à courir. Comment se fait-il que ce soit toujours à moi que ces choses arrivent? Qu'y a-t-il d'utile dans cette phrase? Comment ça se fait que c'est toujours à moi que ces choses arrivent? Si on s'est entraîné, la vigilance va apparaître, on va se rendre compte que le hamster est parti à courir, on va placer l'attention sur notre souffle, on va ouvrir une fenêtre de lucidité et on va pouvoir placer dans cette fenêtre l'inventaire des pistes d'action possibles. Première piste d'action, deuxième piste d'action, troisième piste d'action. La première piste d'action qui est apparue dans ma tête, c'est de regarder chez le voisin. Il y avait de la lumière. Là, je me suis dit, je vais me rendre. Et pendant que je marchais pour me rendre chez le voisin, le hamster a commencé à courir. Frapper à la porte de quelqu'un qu'on ne connaît pas à minuit moins quart, c'est pas évident. Et là, ça a fait « Serge, maintiens ton attention sur l'inventaire des pistes d'action possibles. » Deuxième piste d'action. J'ai monté sur le perron, j'ai écouté à travers la porte. Si j'entends du bruit, je vais frapper. Si j'entends rien, troisième piste d'action, je vais me rendre au village. Il y a un hôtel ouvert 24 heures sur 24, je pourrais demander de l'aide. Quatrième piste d'action, si je croise une voiture, je vais pouvoir l'arrêter. Lui dire, attention, prudence, il y a une voiture dans le plein milieu de la route là-bas. Danger. Alors j'arrive chez le voisin, je monte la première marche, la porte s'ouvre. Il m'attendait, le bonnet sur la tête, les mitaines dans les mains et les bottines dans les pieds. Et il riait abondamment. Moi, je pense qu'il pensait à ce qu'elle allait raconter dans le village le lendemain matin. Je pensais qu'elle allait sortir son tracteur. Ben non, il était colosse, charpenté. Il m'a sorti à bout de bras. J'ai dit, monsieur, merci infiniment.
Le lendemain matin, je me suis réveillé, j'ai regardé par la fenêtre. Il y avait un grand piquet chaque côté de l'entrée. Il ne voulait pas revenir tous les soirs, ça c'est sûr. Mais ça, j'appelle ça le soutien, l'entraide. Voyez-vous comment ça fait baisser le stress? Je remontais à la rue Saint-Laurent à Montréal, une artère importante à Montréal, il y a quelques années, le lendemain d'une tempête de neige. Quand on nettoie les rues le lendemain des tempêtes de neige à Montréal, on enterre les voitures stationnées chaque côté. Il y avait une personne qui était coincée dans la neige, une personne qui poussait, il n'était pas capable de sortir. J'ai arrêté. À deux, on est arrivé à sortir la voiture de la neige. Le chauffeur a baissé sa vitre, il a dit « Monsieur, merci beaucoup. Vous êtes la 8e personne qui passait, mais la première qui a arrêté. » L'autre, c'était son fils. J'ai pensé à mon voisin à Paris-Ville et je me suis dit, il y a une différence. Il n'en tient qu'à nous de protéger le soutien, l'entraide, la reconnaissance mutuelle. C'est fondamental. Ça fonctionne au travail, ça fonctionne à l'extérieur du travail. J'ai entendu un bulletin d'information, j'écoutais une nouvelle comme ça l'autre fois. J'ai entendu un bulletin d'information, le résultat d'une recherche qui avait été faite au Québec. On disait que 80% des familles recomposées éclataient. 80%. J'ai failli prendre le fossé encore une fois. Je me suis dit, mais c'est énorme. Et là, je me suis dit, mais non, je peux comprendre. Parce qu'après tout, les adultes se choisissent. Mais là, les enfants ne choisissent pas ça. Et là, ça me permet de vous offrir une définition que j'ai adoptée dans ma vie du mot « changement ». Beaucoup de personnes ont de la difficulté à traverser le changement. J'en ai soigné plusieurs. Et je me demandais, mais pourquoi c'est si difficile de traverser un changement? Il y a un philosophe dont j'adore les travaux, qui s'appelle Krishnamurti, qui disait... Quand un être humain arrive dans le changement, ce qui lui fait peur, ce n'est pas l'inconnu. Ce qui lui fait peur, c'est de laisser aller le connu. Comme c'est intéressant. Et il y a un sociologue qui s'appelle William Bridges, qui a beaucoup étudié le changement dans la société, dans les milieux de travail, et qui nous a donné une très belle définition, à mon avis, du changement. Il dit, le changement, la plupart du temps, c'est quelque chose qui nous arrive sans qu'on l'ait voulu. Quelque chose qui nous arrive sans qu'on l'ait choisi. Bien sûr, il y a des changements que nous choisissons. Si je décide de me marier, c'est un changement que je choisis. Quelqu'un décide d'avoir des enfants, c'est un changement que la personne choisit. Mais le jeune homme qui a un accident de voiture et qui se casse la colonne vertébrale ici, il n'a pas choisi ce changement-là. Mon copain n'avait pas choisi son cancer au cerveau. Sa conjointe non plus. Ses filles non plus. Ma conjointe et moi, nous nous sommes choisis. Mais sa fille n'avait pas choisi ça. À 7 ans, quitter son quartier, son école, ses amis, c'est énorme. Soutien, entraide, reconnaissance mutuelle, ça permet de passer au travers. Dans notre cas d'ailleurs, ça a fonctionné. Il y a quelques années, cette petite fille de 7 ans était devenue une jeune femme de 17 ans. Au petit déjeuner, elle me dit « Serge, j'ai un travail à faire pour l'école sur la relation entre l'environnement et la dignité humaine. » Je lui dis « Mais c'est passionnant, c'est super intéressant, c'est pour quand ce travail-là? » Elle me dit « Après-midi! » J'ai dit, j'imagine que tu veux un petit coup de main. Elle me dit, oui, s'il te plaît. Pourrais-tu me donner une petite définition de la dignité humaine? Question facile comme ça, en prenant un petit déjeuner. Heureusement, je venais de lire ce philosophe montréalais dont j'adore les travaux. Il s'appelle Charles Taylor. Et il nous a donné, à mon avis, la plus belle définition qui soit de la dignité humaine. Je ne crois pas qu'il va être possible d'égaler un jour en beauté cette définition. Et j'ai curieusement la croyance que si vous êtes ici ce matin, et je ne veux pas sortir le violon, tout le monde ici, sans exception, vous contribuez fortement à la dignité humaine. Et voici pourquoi. Taylor a dit, la dignité humaine, c'est ce qui fait que pour une personne, sa vie vaut la peine d'être vécue. Ce qui fait que pour une personne, sa vie vaut la peine d'être vécue. Notre fille m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, regarde, on va prendre un exemple extrême. Imagine une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui a de la difficulté à communiquer. Si elle a de la difficulté à communiquer, qu'est-ce qui va nous permettre de croire que sa dignité est préservée? Je dis, il me semble que c'est la manière dont on va s'y prendre pour lui parler, pour la toucher, pour la laver. Je dis, il me semble que c'est aussi ce qui va nous permettre de croire que malgré sa maladie, ben peut-être qu'à certains moments, sa vie vaut encore la peine d'être vécue. Compte tenu du genre de présence qu'on va lui offrir, de chaleur, de confort, etc. Moi, j'ai une croyance très forte. J'ai la croyance que notre époque est caractérisée par quelque chose qui nous distingue de toutes les époques qui nous ont précédées dans l'histoire de l'humanité. J'ai la croyance que tout le monde ici, sans exception, nous cherchons à faire en sorte qu'au maximum, notre vie vaille la peine d'être vécue. Et pourquoi je dis que ça nous distingue de toutes les époques qui nous ont précédées dans l'histoire de l'humanité? Pour la raison suivante. Mes parents avaient aussi une croyance très forte. Et là, je ne veux pas porter de jugement sur cette croyance.
Je me contente d'observer la réalité. Mes parents croyaient très fortement que le paradis, c'était à la fin de leur jour. Et croyaient aussi que le plus ils enduraient pendant, le plus il y aurait de chances d'y aller après. Il fallait gagner son ciel. C'était un dicton très répandu. Aujourd'hui, la croyance est encore présente, mais avec des nuances. Beaucoup de gens se disent, au cas où il n'y en aurait pas après, on va s'arranger pour en profiter au maximum pendant. Par conséquent, il y a une question extrêmement importante qu'on aura avantage à se poser, c'est la question suivante. Qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que notre vie vaut la peine d'être vécue? C'est rare que je rencontre des personnes qui s'arrêtent pour se poser cette question-là. C'est comme si on avait intuitivement l'impression d'avoir les réponses, ou peut-être qu'on a peur de les rencontrer. Quand les personnes arrivent dans mon bureau brûlées, vidées, épuisées, c'est une des premières questions qu'on se pose ensemble. Qu'est-ce qui permet d'affirmer que la vie vaut la peine d'être vécue? Dans une journée, il y a 24 heures. On en passe en moyenne 7 à 8 à dormir, quand on dort, bien sûr. Il y a une minorité d'êtres humains qui a besoin de moins de sommeil que ça, je le sais. Madonna, chez nous, il y a un gars qui s'appelle Grégory Charles, qui n'a pas besoin de ça, lui. Mais enfin, il y a une minorité d'êtres humains qui a besoin de moins de sommeil que ça, mais moi, comme la majorité des êtres humains, j'ai besoin de 7 à 8 heures de sommeil simplement pour être en forme, pour protéger ma santé. Croyez-le ou non, je n'ai pas inventé ça. Il y a des sociologues qui nous observent. Nous passons en moyenne une heure par jour à nous occuper de notre corps. Ça veut dire quoi? Se laver. Laver ses dents. Passer la soie dentaire, le fil dentaire. Aller à la toilette. Se maquiller. Se raser. Se peigner. Quand on additionne toutes les minutes consacrées à ces activités-là, ça donne en moyenne une heure par jour. Il y a quelques années, j'ai fait une petite recherche pour évaluer le temps que ça prenait à notre fille. C'était pas mal plus long que ça, je peux vous assurer. C'était une heure le matin. Imaginez toute la journée. On passe en moyenne une heure par jour à faire les choses que j'appelle les choses indispensables de l'existence. Je n'ai pas le choix. Il faut bien que j'arrête à l'épicerie acheter de la nourriture. Si j'ai une voiture, il faut que j'arrête de mettre de l'essence dedans quand il y en a, évidemment. Il faut que j'ouvre mon courrier, que je paye mes factures, que je sorte les ordures, le bac à recycle, que je le rentre, le lavage, le repassage, le ménage, l'entretien de la maison, l'intérieur, l'extérieur. Des jours, c'est plus long, bien sûr, les jours de congé. D'autres jours, c'est moins long. Mais quand j'étire ça sur toute la semaine, en moyenne minimum, une heure par jour, uniquement les choses indispensables de la vie. Boire et manger, si on calcule à partir du moment où on prépare le repas, manger, la vaisselle, aller chercher un verre d'eau, une tasse de café, un verre de café, peu importe. Combien de temps minimum, en moyenne, juste boire et manger chaque jour? Minimum, je n'ai pas inventé ça. Il y a des sociologues qui nous observent. Minimum 2 heures par jour. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vous ne trouvez pas, vous exagérez. Je trouvais ça épouvantable qu'il me dise ça. Ça me donnait une petite idée de la manière dont il mangeait. Je lui ai dit, pensez-y, monsieur, le temps que ça prend. Sortir la nourriture des armoires, du réfrigérateur, mettre les tranches de pain dans le grille-pain, les faire griller, mettre quelque chose dessus. Il faut quand même mâcher, avaler, serrer la vaisselle dans le lave-vaisselle si on en a un, la laver si on n'en a pas. Moi, je suis responsable des comptoirs et des chaudrons chez nous. Je fais mes propres petites recherches. J'ai pris le temps que ça me prenait pour faire nettoyer, laver les chaudrons, etc. 10 à 15 minutes le soir après le souper. Si on n'a pas plus élaboré, c'est plus long que ça. Après le dîner, vous dites le dîner, si nous on appelle ça le souper. Là. Si on n'a pas plus élaboré, c'est plus long que ça. On reçoit des amis à dîner et on a tout l'avant-midi du lendemain pour nettoyer les verres et tout ça, c'est fascinant. Alors, boire et manger minimum 2 heures par jour. Le travail à notre époque, son calcul, à partir du moment où on quitte l'endroit où on habite, se rendre sur les lieux de travail, les heures passées sur les lieux de travail, quitter le lieu de travail, retourner à l'endroit où on habite. Un travail qu'on apporte parfois avec soi à la maison. Le hamster qui tourne la nuit pour travailler. C'est combien d'heures en moyenne à notre époque? Je n'ai pas inventé ça, il y a des sociologues qui nous observent. Entre 9 et 10 heures par jour. Je connais des personnes qui quittent à 7 heures le matin et reviennent à 7 heures le soir, ça fait 12. Si on met ça à 10, il en reste combien? 2. Il me semble que ces 10 heures-là, il faut qu'elles vaillent la peine d'être vécues. Sinon, il n'y en reste que 2. Il y a des personnes qui ont développé la croyance que ce serait pendant ces 2 heures-là que leur vie vaudrait la peine d'être vécue. Je trouve ça tragique. S'ils n'ont pas apprivoisé le hamster pendant la journée, ils vont être dans une léthargie telle que tout ce qu'ils vont avoir le goût de faire pendant ces 2 heures-là, ça va être de s'écraser devant la télévision et de regarder une émission chez nous qui s'appelle « La poule aux œufs d'or », qui est une espèce de quiz où on choisit entre l'œuf et la poule. C'est assez fascinant quand même. Ça fait tellement longtemps qu'on se demande si l'un est venu avant l'autre. Anyway. Et à la fin de 2 heures de poule aux œufs d'or, on ressent une léthargie encore plus grande qu'avant de s'être assis.
Je sais, ça m'est arrivé. Je me dis, c'est fascinant, ça fait 2 heures que je fais rien et je me sens encore plus fatigué qu'avant de m'être assis. Qu'est-ce que c'est ça? Et un jour, il y a une réponse qui est montée. Je ne sais pas si elle est juste, mais très utile, et c'est la réponse suivante. Ça pourrait-il que même inconsciemment, j'adore ce mot, ça veut dire que je ne me rends pas compte, ça pourrait-il qu'inconsciemment, j'ai parfois l'impression que ces 2 heures-là ne valaient pas tant que ça la peine d'être vécues? Ça pourrait-il qu'inconsciemment, j'ai parfois l'impression d'avoir un peu perdu mon temps? Alors, qu'est-ce qui me permet d'affirmer que la vie vaut la peine d'être vécue? Je vous donne quelques pistes de réflexion. La première, c'est quand on donne un sens à ce que l'on fait. Et on ne peut pas attendre que le sens vienne de l'extérieur. Parce que si on attend qu'il vienne de l'extérieur, on va attendre toute notre vie. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Et comment peut-on donner un sens à ce que l'on fait? 2 pistes. Je les emprunte à une femme qui s'appelle Estelle Morin, qui enseigne au HEC à Montréal. Une personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration, tant pour la personne que pour ses travaux. Première piste, pour donner un sens à ce que l'on fait, et ça c'est extrêmement agréable. On peut le faire en groupe, collectivement, et on peut le faire individuellement. Il faut tracer une direction qui permet de dire « je m'en vais, on s'en va dans ce sens-là ». Et au sein d'une organisation, habituellement, c'est en réadhérant aux objectifs et à la mission de l'organisation dans laquelle on travaille. Souvent, on perd ça de vue pour toutes sortes de raisons. Et on peut aussi le faire à travers des projets, court terme, moyen terme, long terme. Et pourquoi un projet permet de donner du sens? Parce qu'un projet permet d'envisager des résultats. Au début du siècle dernier, moins de 7% des gens gagnaient leur vie en se servant principalement de leur tête. L'immense majorité des gens gagnaient leur vie en se servant principalement de leur corps, en coupant des arbres, en travaillant la terre. À la fin de la journée, c'était facile de voir des résultats. La corde de bois était là, le champ était labouré. En moins de 100 ans, ça s'est complètement renversé. C'est une des plus grandes révolutions qu'il y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, 75% des gens gagnent leur vie en se servant principalement de leur tête, ou en tout cas en pensant que c'est ce qu'elles font. Mais ça, c'est un autre problème. Ça devient de plus en plus difficile de voir immédiatement des résultats. C'est pour ça que ça prend des projets. Je me souviens de cette dame dans mon bureau, brûlée, vidée, épuisée. Une question que je pose systématiquement lors de la première rencontre, et c'est une question qu'on devrait régulièrement se poser à soi-même. Ne me croyez pas. Croyez rien de ce que je vous dis. Faites-le. C'est la question suivante. Dites-moi, madame, y a-t-il quelque chose qui vous intéresse dans la vie? Je voulais m'adresser au pouvoir de l'intérêt. Qu'est-ce qui vous intéresse? Elle me dit, si je suis dans votre bureau, monsieur, c'est qu'il n'y a plus rien qui m'intéresse dans la vie. Je lui dis, OK, on va changer de stratégie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a déjà intéressé dans la vie? Elle me dit, oui. Je lui dis, quoi? Elle me dit, la peinture. Je lui dis, ça fait combien de temps que vous avez peint, vous? 2 ans. Je lui dis, madame, je vous fais une prescription. La semaine prochaine, vous allez m'apporter un tableau. La semaine d'après, elle arrive, pas de tableau. Je lui dis, madame, ce n'était pas pour accrocher sur le mur. Ça fait partie de votre traitement. Je dis, non seulement je vais refaire la prescription, mais je vais monter le degré de difficulté. La semaine prochaine, vous allez m'apporter un tableau sur lequel vous allez vous représenter tel que vous vous percevez actuellement. La semaine d'après, elle n'arrive pas de tableau. J'ai dit, madame, je suis désolé, je ne peux plus vous voir. Elle dit, c'est du chantage. J'ai dit, non, vous ne faites pas votre traitement. Si je vous prescrivais un médicament et que vous ne le preniez pas, ça ne servira à rien qu'on se voit. Je vous prescris de faire un tableau et vous ne le faites pas. Quand vous aurez peint, vous m'appellerez. 3 semaines s'écoulent. Elle me téléphone, elle avait peint, on s'est vu. Elle dit, vous, je vous en voulais. Je me disais, ça se peut pas que ce gars-là me comprenne pour me demander ce qu'il me demande de faire dans l'état dans lequel je suis actuellement. Elle dit, un soir, monsieur, j'étais assise dans mon fauteuil. Je regardais la toile blanche sur le chevalet et je me sentais comme un morceau de velcro accroché à un autre morceau de velcro. Elle dit, j'ai pensé à votre prescription. J'ai décidé d'y aller, schlouk. Elle dit, j'ai commencé à peindre. 4 heures se sont écoulées que je n'ai pas vu passer. Elle dit, au bout de 4 heures, je ressentais une énergie que je n'avais pas sentie depuis des mois. Elle dit, je me suis dit, le maudit, c'est ça qu'il voulait que je chante. J'ai dit, oui, madame, c'était un truc. Je vous ai donné un projet à court terme. L'objectif, c'était de vous permettre de reconnecter avec des ressources dont vous aviez oublié l'existence à l'intérieur de vous. C'était pour vous permettre de renouer avec l'estime de soi. C'est fondamental pour pouvoir apprivoiser le stress. C'est une super belle histoire. Elles ne sont pas toujours belles comme celle-là, mais elle est très belle. 2 ans plus tard, je recevais un carton d'invitation. Elle faisait une exposition dans une galerie sur la rue Saint-Denis à Montréal. Elle avait retrouvé du sens. 2e manière de donner du sens. Toujours selon Estelle Morin, il faut établir ou maintenir
une cohérence entre les valeurs que l'on porte et les gestes que l'on pose ou les décisions que nous prenons. S'il n'y a plus de cohérence entre les valeurs que l'on porte et les gestes que l'on pose, nous sommes dans une problématique de sens. Une des phrases qu'on entend le plus souvent au Québec, c'est la phrase suivante, « ça n'a pas de bon sens ». Qu'est-ce que ça veut dire? « Ça n'a pas de bon sens ». Maintenant, comment établir une cohérence entre les valeurs que l'on porte et les gestes que l'on pose? Il faut prendre un temps d'arrêt pour réexaminer constamment les valeurs que l'on porte, qui nous ont amenés à faire le choix d'un métier, par exemple. Il y a des individus dans cette société, et c'est terrible, qui posent des gestes en cohérence avec leurs valeurs, et ce sont des gestes horribles. Les individus qui ont dirigé des avions dans des tours le 11 septembre 2001 avaient probablement, ou les gens qui ont commis des attentats ici, avaient probablement l'impression de poser des gestes en cohérence avec leurs valeurs. Le problème, il est dans la définition des valeurs. Il faut élargir ça au maximum. Moi, une valeur qui m'aide beaucoup, c'est la suivante. Humblement contribuer au bien commun, mais de façon la plus large possible. Et si on arrive à faire ça, on va trouver du sens. Maintenant, comment maintenir une cohérence entre les valeurs et les gestes? Il faut trouver un équilibre entre le défi et les limites. Les deux sont importants. L'être humain a besoin d'avoir des défis. Si je n'ai pas de défis, je ne découvrirai jamais mes capacités, mon potentiel, mes ressources. Ce n'est pas assis dans mon salon que je vais découvrir ça. C'est dans le défi. Je soigne des personnes à la retraite présentement. Des personnes qui me disent « ça fait 3 ans que j'ai pris ma retraite, je ne me sens pas bien, je les vois ». Et en les écoutant, je m'aperçois que leur conception de la retraite, c'était un hamac avec une bière. Après 6 mois de hamac, ils font des plaies de hamac. Ces personnes-là ne sont plus en contact avec leur potentiel, leurs ressources, leurs capacités. On travaille autour de l'intérêt. Dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse? Rien. On va trouver quelque chose qui va vous intéresser. Et à partir du moment où l'intérêt réapparaît, elles sortent du piège, de l'ennui, du vide, de la détresse psychologique. Beaucoup de gens attendent que l'intérêt apparaisse avant de se mettre en mouvement. Erreur. L'intérêt apparaît pendant qu'on se met en mouvement. Ça, c'est très, très, très important de faire la distinction. Et la détresse psychologique qui apparaît dans le vide, l'ennui, il y a autant de stress à être sous-utilisé qu'à être surutilisé. J'ai vu ça chez des jeunes aussi. Dans un hôpital à Montréal, l'hôpital Sainte-Justine, un hôpital pour enfants. Je suis allé donner un coup de main à l'équipe qui travaille en hémato-oncologie, s'occupe donc d'enfants atteints de cancer. Il y a une jeune infirmière, 20-21 ans, qui m'a dit une phrase terrible. Il y avait des jurons québécois. Bon, vous allez les entendre. Ils enregistrent ça, c'est effrayant. Il y avait des jurons québécois, mais c'est elle qui les a dit, je les ai enregistrés. Elle dit, moi, tabarnak, je ne suis pas Mère Teresa. S'il faut que je travaille 10 minutes de plus, ils vont me payer. Puis il y a toute une série d'autres jurons qui se sont succédés. J'ai dit, bon, elle a appris à mettre des limites, mais elle n'a pas encore compris le lien profond qui existe entre le bonheur et l'engagement. C'est fondamental. J'ai eu la chance d'entendre un homme qui s'appelle Bernard Voyer, qui a grimpé les plus hautes montagnes de la planète. Et il m'a jeté par terre. Il a dit que ses capacités, son potentiel, il a découvert ça en grimpant les montagnes, pas assis dans son salon. Mais il a raconté une chose, d'ailleurs très d'actualité. Il a dit que la première fois qu'il a grimpé l'Everest, il est arrivé à un endroit où on leur a dit « il faut qu'on arrête ». Il y a des gens qui ont crié « on est presque rendu ». On dit « oui, mais le temps vient de changer, le vent vient de se lever, il faut qu'on redescende ». Moi, je crois que cette fois-là, ça a pris plus de courage pour accepter de redescendre que ça en aurait pris pour continuer. Ça faisait des années qu'ils se préparaient. Ils n'avaient pas décidé de grimper l'Everest la veille. Ils n'avaient pas dit « on va-tu prendre une bière en haut demain matin ?» C'est pas comme ça que ça se passe. Cette zone-là, sur l'Everest, on l'appelle la zone de la mort. Il y a plein de cadavres, des personnes congelées en parfait état. Elle serait trop compliquée de les redescendre, ça fait qu'on les laisse là. Je me dis ça, c'est fascinant. Ce sont des personnes qui étaient à un stade de leur vie où avaient une décision très difficile à prendre. Choisir entre continuer ou respecter leur humanitude. Et je vais vous parler quelques instants de notre humanitude. Chez moi, il y a une pièce qui me sert de bureau. Ça m'a longtemps servi d'endroit où j'emmagasinais les documents que j'avais reçus et que je n'avais pas eu le temps de lire. Je faisais des piles partout par terre. Un soir, je me rends compte que pour me rendre à ma chaise de travail, il fallait que j'enjambe les piles et que je fasse attention à l'eau où je déposais les pieds. Parce que si j'en accrochais une, c'était l'effet domino. Il y avait un ordre là-dedans. Je suis le seul à le connaître, mais il y avait un ordre là-dedans.
Je me suis dit, il faudrait que je fasse le ménage. La fin de semaine suivante, j'avais rien au programme. J'ai super, en fin de semaine, je fais le ménage. Le vendredi soir, je me couche de bonne heure. Excellente nuit de sommeil. Je me lève tôt le samedi matin. Bonne douche, bon petit déjeuner. Je m'en vais chercher mes boîtes de papier recyclé, mes sacs verts. J'arrive devant la pièce, je la regarde et je suis soudainement saisi d'une fatigue extrême. Là, je me suis dit, je savais pas que j'étais fatigué comme ça. Je le ferai demain matin. Le lendemain matin, j'arrive devant la pièce. Encore la grande fatigue. J'ai dit, coudonc, je vais prendre des vacances. J'ai pris 3 semaines. Les 2 premières, je me suis reposé. Au début de la 3e semaine, j'ai dit, c'est le temps d'aller dans la pièce. J'arrive devant la pièce. Encore la grande fatigue. J'ai dit, fatigué, pas fatigué, j'y vais. J'entre dans la pièce. Au hasard, sur une pile, je prends un premier document. Je commence à lire ça. Je me dis, ah, c'est tellement intéressant. Je le dépose à côté. Je m'en vais sur une autre pile. Je prends un autre document. Je pensais que je l'avais perdu. Je suis assez content. Je l'ai retrouvé. Je le dépose par-dessus le premier. Ça faisait 10 minutes. J'avais une pile épaisse comme ça. Rien dans les boîtes de papier recyclé. Rien dans les sacs verts. Là, je me suis dit, j'ai un problème. Quand on a le goût d'accélérer, c'est le moment où jamais où on doit s'arrêter. 1 minute. Je rêve du jour sur cette planète. Nous allons nous arrêter 1 minute par heure. On est là devant l'ordinateur. Les mails rentrent. Bidding, bidding, le hamster part. Qu'est-ce qu'il veut, lui, encore? Badang, badang. On s'arrête. On retire sa chaise et pendant 1 minute, on place son attention sur son souffle. On débranche la roue pour retrouver sa créativité, son énergie, afin de recommencer à travailler avec quelque chose qui ressemble à quelque chose d'utile. Devant la pièce, j'ai arrêté. Et là, j'ai fait une découverte qui a changé ma vie. J'ai découvert que si j'éprouvais autant de fatigue devant la pièce, c'est que j'étais confronté à mon humanitude, à mes limites. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si j'avais conservé tous ces documents-là, si j'avais entretenu l'illusion que je serais en mesure de tout lire ce qu'il y avait là, ou de tout utiliser ce qu'il y avait là, et je me suis dit, mais la seule personne qui serait en mesure de tout lire ce qu'il y a là, ou de tout utiliser ce qu'il y a là, ce serait une personne immortelle. Elle pourrait dire, c'est pas grave, je ne lis pas tout de suite. Je lirai dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 2000 ans. J'ai constaté que j'étais confronté au temps que j'ai à ma disposition sur cette planète, que même si je vivais 100 ans, ça ne suffirait pas pour me permettre de tout lire ce qu'il y avait là, compte tenu de tout ce que j'ajouterais d'ici à ce que j'ai 100 ans. Impossible! Et là, j'ai découvert l'importance d'apprivoiser mon humanitude. Jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, ce n'est jamais arrivé que nous ayons à ce point été sollicités par des choses intéressantes. Jamais. Quand j'étais à Québec, enfin, il y a 3 chaînes de télévision, le 4, le 5, le 11. Aujourd'hui, avec le câble, chez nous, on a un minimum de 40. J'ai un ami, il y a une soucoupe sur son toit, il y en a 300. Il m'a dit que bientôt, il y en aurait 1200. 1200 chaînes de télévision. Il m'a dit qu'un soir, pour le plaisir, il s'est assis devant son téléviseur avec la télécommande, puis il a pitonné les 300 postes en arrêtant juste assez longtemps dans chaque poste pour savoir ce qui était programmé. S'il a pris 1h30, il n'avait pas regardé un seul programme. Sur 300, il aurait pu en rencontrer au moins 10 d'intéressants. Il y a encore un problème. Il ne peut pas aller voir les 10 en même temps. Mais il est aujourd'hui capable de faire quelque chose que j'étais incapable de faire quand j'étais enfant. Il est capable d'en enregistrer 3 pendant qu'il en regarde un 4e. Il y a une femme qui m'a dit, c'est tellement vrai, monsieur, j'ai à la maison des boîtes pleines de toutes les cassettes des émissions que j'ai enregistrées pour le jour où j'aurai le temps de les regarder. J'ai dit, oubliez ça, madame, les cassettes, ça fait longtemps que c'est dépassé. Au début de la guerre en Afghanistan, tous les soirs après le dîner, il y avait une émission à 19h sur une chaîne qui s'appelle RDI avec un homme qui s'appelle Pierre Maisonneuve, dont j'adore les travaux aussi. Mais je regardais ça parce que tous les soirs, je trouvais ça passionnant. Mais un soir, je suis devant l'écran de télévision et je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? En haut à droite, il y a Maisonneuve qui interviewe 3 experts. Je suis ça, ça demande toute mon attention. De l'autre côté de l'écran, il y a des images de l'Afghanistan. En bas, il y a la nouvelle de la journée qui défile. Dans un coin, il y a un petit carreau avec le dollar, la bourse, l'or. Là, je me dis, comment est-ce que neurologiquement, je peux être capable de tout pogner ça, moi, là? Faut être 2. Il y en a un qui lit, puis l'autre qui écoute. Après, si on a le temps, on peut s'en parler. Et je n'ai pas encore parlé d'Internet. 24 heures sur 24, on peut aller dans des sites intéressants. Les grandes bibliothèques du monde, les grands musées du monde. Attention, je suis très heureux d'être né à cette époque où je suis à ce point sollicité par des choses intéressantes. Mais j'ai découvert qu'il y avait un piège qui nous guettait terrible. Nous sommes piégés par notre génie. C'est un piège que nous avons nous-mêmes fabriqué. Nous avons fait exploser les limites dans l'environnement. Nous sommes passés de 3 chaînes à 1200 et nous sommes tombés dans le piège de croire qu'on avait fait exploser les limites à l'intérieur de nous. On a encore juste 2 yeux, 2 oreilles,
deux mains, deux pieds. Ça prend le même temps lire un livre. Ça prend le même temps regarder un film. Ça prend le même temps écouter une autre personne. Une des plus grandes sources de stress qui existe actuellement dans cette société, c'est la suivante. Nous voulons tout faire, tout voir, tout savoir, tout avoir, tout être, tout de suite, tout le temps, tout en même temps. On ne reconnaît plus notre humanitude. Notre ego a peur. Que va-t-on penser de moi si je ne sais pas ça? Quelle allure je vais avoir si je ne sais pas ça? Blablabla. C'est fascinant, cette histoire-là. Il y a un pays qui s'appelle la Malaisie. On s'y nourrissait autrefois de viande de singe. On avait trouvé une manière extraordinaire pour les capturer. On prenait une noix de coco. On coupait la partie supérieure de la noix de coco. On vidait le lait. On mettait des grains de riz dans le fond de la noix de coco. On attachait une ficelle chaque côté. On suspendait la noix de coco après les branches d'arbres et les piquets de clôture. Les singes accouraient et voulaient avoir le riz. Là où c'était subtil, c'est que l'ouverture à la noix de coco était juste assez grande pour laisser pénétrer une main dans cette position-là. Les singes découvraient ça, entraient la main dans la noix de coco. Mais là, s'ils voulaient avoir le riz, ils n'avaient pas le choix. Il fallait qu'ils ouvrent la main. Ils saisissaient le riz. Mais un coup qu'il y avait le riz dans la main, ils étaient incapables de sortir. Et là, il se passait quelque chose de fascinant. Ils s'énervaient, ils se fâchaient, ils criaient. Je me dis, s'il y avait un cerveau humain, on aurait entendu quelque chose de genre, ça va finir par sortir. Tout ce qu'il y aurait eu à faire pour sauver leur vie, c'est de lâcher le riz. C'est une phrase que je prononce personnellement plusieurs fois par jour. Serge, lâche le riz. C'est pas difficile choisir entre une chose plate. C'est pas difficile choisir entre une chose plate et une chose intéressante. C'est super facile. Ce qui est difficile, c'est de choisir entre une multitude de choses intéressantes. Parce qu'à chaque fois, on rencontre notre humanitude. On constate qu'on peut pas tout faire, tout avoir, tout savoir, tout être, tout le temps, etc. Et à chaque fois, on est obligé de faire un deuil. Et un deuil pour que ça fonctionne. Il faut que ça se fasse dans la vérité, dans l'authenticité. Je suis entré dans la pièce. J'ai pris un document. J'ai pas commencé à me faire croire des choses genre « bof, ça fait tellement longtemps qu'il est là, il doit être dépassé ». Ça aurait pas été vrai. J'ai regardé le document et là, ne me croyez pas, croyez rien de ce que je vous dis, faites-le. J'ai fait « Serge, lâche le riz ». Et là, j'ai parlé au document. J'ai dit « Document, tu es certainement très intéressant et je ne te lirai pas ». Belang, je n'ai pris un deuxième pour pas qu'il soit jaloux du premier. J'ai dit « Document ». Tu es certainement très intéressant, toi aussi. Je te lirai pas, toi non plus. Badang. À un moment donné, on prend le tour. Hein? La pile au complet. Wham! Ça swing. Quand on fait ça, on se rend un grand service. On apprivoise son humanitude. Mais surtout, s'il vous plaît, retenez ceci. On touche à quelque chose d'extrêmement précieux. On touche au contentement. Contentement égale repos. Absence de contentement égale fatigue. Vous avez travaillé très fort au cours d'une journée. Vous êtes parvenu à faire tout ce que vous aviez prévu. Vous allez éprouver de la fatigue, c'est normal. Mais elle n'aura jamais la même lourdeur que celle que vous allez ressentir si vous avez travaillé aussi fort et que vous n'êtes pas parvenu à faire le tiers de ce que vous aviez prévu. N'est-ce pas? Elle est où la différence? Dans le contentement. Comment peut-on toucher au contentement? Deux pistes. La première, en achevant quelque chose. Et pour achever quelque chose, il faut avoir choisi quelque chose qu'on va achever. Et pour choisir quelque chose qu'on va achever, il faut sortir la main de la noix de coco quand on veut tout faire, tout avoir, blablabla. Lâcher le riz. Et deuxième manière de toucher au contentement, c'est en plaçant son attention, zoom, sur ce qu'on est parvenu à achever. Tout le monde ici, sans exception, vous accomplissez tous les jours des quantités phénoménales de choses. Mais le soir, ce qui tourne dans votre tête, c'est la chose que vous n'avez pas réussi à faire. Blablabla. C'est fascinant. Ça court, là. Je n'ai pas arrêté de la journée. Chez nous, on dit, j'avais de la broue dans le toupet. Ça me sortait par les oreilles. Je n'avais plus où donner de la tête. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Répondez à la question. Papier, crayon, bilan. J'ai fait quoi aujourd'hui? On l'écrit. J'ai fait ça, check. J'ai fait ça, check. J'ai fait ça, check. Pour entrer dans le contentement, repos, meilleure soirée, meilleure nuit, énergie le lendemain. J'ai passé 2 jours dans la pièce. J'ai conservé les documents, je les ai posés dans un classeur. Ça fait 12 ans, je ne les ai jamais revus. Ça aussi, c'est fascinant quand même. Hein? Le premier matin, j'éprouvais une fatigue extrême. À la fin de la deuxième journée, pardonnez-moi l'expression, je pétais le feu. J'avais plein d'énergie. Pourquoi? Contentement. J'avais achevé quelque chose. Mais pour pouvoir faire ça, j'étais encore quelques minutes. Pour pouvoir faire ça, il faut s'arrêter. Et je voudrais terminer là-dessus. Pourquoi avons-nous tant de difficultés à nous arrêter dans cette société? Parce que nous sommes en train de vivre une mutation.
ce ne sont pas des cornes qui apparaissent. Ce ne sont pas des écailles qui poussent. C'est le rapport au temps, T-E-M-P-S, et par le fait même aux autres qui est en train de se modifier. Et ça m'inquiète beaucoup plus que le clonage parce que ça a déjà commencé à faire beaucoup de ravages. Et c'est en partie à cause de l'arrivée des nouvelles technologies dans nos vies. Je ne veux pas prêcher de retour en arrière, ce serait ridicule. J'ai mon téléphone cellulaire, j'ai mon ordinateur portable, etc., etc. Le copain dont j'ai parlé au début de la conférence qui est décédé, c'était un pédiatre. Il a fortement contribué à l'installation de la télémédecine au Québec. La télémédecine, ce ne sont pas des écrans de télévision dans les salles d'urgence. Là. La télémédecine, ce sont des écrans grâce auxquels on est capable d'opérer, de faire des interventions chirurgicales à distance. Et les enfants qu'on n'a plus besoin de transporter des régions éloignées vers les grands centres maintenant. Grâce aux écrans, on est capable de faire des interventions à distance. C'est formidable, les nouvelles technologies. Mais un jour, j'ai soigné une dame qui me disait ceci. « Monsieur, depuis que nous avons un fax dans notre organisation, télécopieur. » En passant, un fax est devenu un objet de musée. Hein? Si vous en avez un, gardez-le précieusement. Il va valoir cher. Est-ce depuis qu'on a un fax dans notre organisation, monsieur, il y a deux nouveaux phénomènes. Premier phénomène, on dirait que quand quelqu'un m'envoie un document par fax, il a l'impression qu'en l'entrant dans l'appareil, il rentre directement dans mon cerveau. Il me téléphone. « Le tirti! Le tilu! » Elle dit « Ça, c'est une nouvelle exigence. » Elle dit « Je n'avais pas à répondre à cette exigence-là il y a quelques années. Que faisait-on quand on n'avait pas de fax? » Écoutez bien son analyse, elle est magnifique. Je ne prêche pas de retour en arrière, je me contente de raconter ce qu'elle a dit. Ils ont pris un document, monsieur. On glissait dans une enveloppe. On mettait un thème dessus. Elle dit « Ce petit geste conditionnait notre rapport au temps et par le fait même aux autres. » Elle disait « Parce qu'on estimait que ça prenait 2 à 3 jours à se rendre à destination. » Nous donnions aux personnes auxquelles c'était destiné 1 à 2 journées pour qu'elles en prennent connaissance. Elle dit, aujourd'hui, on rend le document à l'appareil. On téléphone. Le tu l'as-tu lu? Elle dit, on vient de comprimer notre rapport au temps. On vient d'un seul coup d'augmenter les exigences sur soi-même. On le veut tout de suite. Et sur l'autre personne, on vient de faire de la pression sur l'autre. On vient de jouer dans le rapport entre nous. Soutien, entraide, reconnaissance mutuelle. On vient d'altérer ça. Deuxième phénomène, et je n'ai pas parlé des courriels, bien sûr, avec les points d'exclamation rouges en plus. Elle disait, deuxième phénomène, à chaque fois que je reçois un document par fax, monsieur, j'ai développé un nouveau réflexe. Ça, c'est une mutation, un nouveau réflexe. Elle, je me dépêche à lire. Elle, je me dis, si on prit la peine de me le faire parvenir par fax, ça doit être parce que c'est urgent. Je l'écoutais parler, j'étais rempli de honte. Je me disais, mais c'est de moi dont elle parle. Elle sait que quand elle est sortie, j'ai failli demander combien je lui devais pour la consultation. Mais je me suis dit, à partir de demain matin, ça va changer. À partir de demain matin, je reprends mon pouvoir sur ma vie. Je réharmonise mon rapport au temps et aux autres. Pas avec de la pensée magique, avec des gestes concrets, passage à l'action. La première chose que j'ai décidé de faire il y a plusieurs années, tout le monde disait, t'es fou, tu feras pas ça, t'es malade. Je dis, oui, je vais le faire. Je vais reprendre mon pouvoir sur ma vie. Je vais réharmoniser mon rapport au temps et aux autres. La première chose que j'ai essayé de faire il y a plusieurs années au Québec, c'est de faire un effort particulier pour arrêter sur les feux jaunes. Là, j'ai appris plein de choses. D'abord, qu'il faut toujours vérifier dans son rétroviseur pour être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un trop proche en arrière. J'ai appris aussi beaucoup de choses sur le comportement humain, surtout sur le langage non-verbal. Mais je m'étais dit, je vais traîner un livre avec moi. Ça, c'est une mutation. J'étais rendu au stade où je voulais rentabiliser les feux rouges. Je me disais, si j'arrête sur le feu jaune, je vais prendre le livre, je vais lire 2 paragraphes. À la fin de l'année, j'aurai lu un livre au complet. J'ai jamais eu le temps de prendre le livre, de l'ouvrir, de trouver où j'étais rendu. Ça klaxonnait en arrière. Je me suis dit, ben voyons donc, je pensais que c'était plus long que ça. Un feu rouge. J'ai décidé de faire un projet de recherche. J'ai la chance d'avoir sur ma montre un chronomètre. Je ne me serais pas compliqué. Chaque fois que je vais arrêter sur le feu jaune, je vais appuyer sur le chronomètre, le bouton, il va partir. Quand ça va devenir vert, je vais appuyer sur le bouton, il va arrêter. Quand j'aurai le temps, je ferai la lecture. Je me suis mis à avoir du plaisir à faire ça. J'en ai fait des centaines. Je le fais encore de temps à autre aujourd'hui. Il y a 2 mots qui apparaissent dans ma tête. Vigilance, conscience. J'ai eu un choc profond. J'ai découvert qu'en moyenne, je sais, il y en a des plus longs. Mais il y en a aussi des plus courts. J'ai découvert qu'en moyenne, ça durait 30 secondes. Je me suis dit, mais c'est fascinant parce que toutes les personnes qui m'ont envoyé des signaux non-verbaux, il faut quand même se placer dans un état particulier pour envoyer les signaux non-verbaux. Pour sauver 30 secondes, s'organisent pour les perdre à la fin de leur vie. Parce que ça use, un état comme ça, ça use. Mais là, je me suis mis à observer ça à d'innombrables endroits. Si vous ne faisiez que ça à partir d'aujourd'hui, vigilance, conscience, je vous garantis, signé en bas de la page, en 3 copies, votre monde changerait.
et peut-être que notre monde changerait. J'arrive dans un édifice du centre-ville à Montréal le matin, 22 étages, je suis au rez-de-chaussée. Je viens d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur. La petite lumière est allumée, une flèche verte. Je recule, il arrive une autre personne, à fond sur le bouton, comme ça. J'ai fait, ben voyons donc. Je savais pas que ça faisait descendre les ascenseurs plus vite. Puis là, je me suis dit, imaginons un instant que ça ferait descendre les ascenseurs plus vite, ce qui arriverait aux personnes qui seraient déjà dans l'ascenseur. Ça, c'est le culte contemporain du moi. Moi. On pense pas une seconde, vigilance, conscience, que si ce geste fonctionnait, on ferait s'écraser un paquet de monde dans le fond du plancher. J'ai parlé de ça dans une conférence. À la fin, il y a un monsieur qui m'a attendu à la porte. Il s'est assuré que tout le monde était parti. Je suis sûr qu'il ne voulait pas que personne l'entende. Menace à l'ego, qu'est-ce qu'on va penser de moi, blablabla. Il m'a dit, monsieur, je me suis tellement reconnu dans vos propos. Ce matin, ce qui me stressait, c'était mon grille-pain. Et je le trouvais tellement lent, là. J'ai fait soigner les tranches de pain comme ça. Mais j'ai été obligé de les manger pâles. Il dit, avez-vous un truc? J'ai dit, est-ce urgent de vous mettre aux céréales, monsieur? Mon père avait 74 ans. Après un souper de famille, il était debout devant le micro-ondes. Il tapait du pied comme ça. Il disait, qui est lent, ce micro-ondes-là? Il est en train de se faire bouillir de l'eau pour se faire une tisane pour relaxer. J'ai dit, regarde, papa, on va s'asseoir tous les deux devant le micro-ondes et on va calmer nos hamsters. Il me dit, je suis sûr que ton micro-ondes est plus vite que le mien. J'ai dit, papa, on fera quand même pas une course de micro-ondes, là. J'ai dit, pense une seconde à ce que tu viens de dire. Et qui est lent, ce micro-ondes-là? Il dit, ça n'a pas d'allure, hein? J'ai dit, bingo, tu viens de reprendre du pouvoir sur ta vie. Il y a une femme qui m'a dit, c'est tellement vrai, je suis rendu au stade où quand je reçois un fax, je tire sur la feuille, monsieur. Le pire, c'est que ça modifie les rapports que nous avons les uns et les unes avec les autres. Vous êtes au supermarché avec votre petite poussette, vous attendez dans la rangée à la caisse. Tout à coup, votre tour arrive. C'est le moment où la gérante vient faire la caisse. Elle vient changer le rouleau. Où il y a quelqu'un qui ouvre son porte-monnaie, commence à compter ses pièces. Et là, ça part dans la tête. Comment ça se fait? C'est toujours à moi que ça arrive. Vous êtes au guichet automatique. Vous attendez dans une rangée, ça va plus vite à côté. Vous changez. Chez nous, on dit, c'est là que ça jam, comprenez-vous? Comment ça se fait que c'est toujours à moi que ça arrive? Ça change rien. Ça use, ça modifie le rapport à l'autre. J'ai parlé ça dans un centre hospitalier. S'il y a un endroit où ça devrait être calme, c'est dans un centre hospitalier. Jamais dans l'histoire, l'énergie a été à ce point nerveuse dans les centres hospitaliers. C'est absolument fascinant. Alors, j'avais parlé de ça. J'y retourne la semaine d'après. Il y a une femme qui arrive face à moi et qui me dit, j'ai pensé à vous cette semaine. Ça me fait toujours plaisir. J'ai dit, ah bon? J'étais au supermarché avec ma petite poussette dans la rangée à la caisse. Elle dit, tout à coup, j'ai regardé la caissière. J'ai fait, ah non! J'ai attrapé la nouvelle! Vous savez, celle qui est écrite en formation, là, ici. Maintenant, je vous ai pas cru. J'ai fait ce que vous aviez dit. Dans ma tête, ça fait vigilance, conscience. Là, j'ai placé mon attention sur mon souffle. J'ai compté jusqu'à 5 parce que c'était très difficile. Parce que là, je me suis posé les deux petites questions que vous aviez suggérées. Je les appelle les questions frigo. On devrait les coller sur la porte de son frigo pour les voir souvent afin qu'elles imprègnent notre neurologie. La première, à qui je fais mal? À qui je fais mal? La seule personne à qui je suis en train de faire mal, c'est à moi. Et je ne me fais pas seulement psychiquement mal, je me fais biologiquement mal. Je viens de déclencher une tempête biologique dans mon corps, rythme cardiaque, tension artérielle, cholestérol sanguin, ça swing, ça là. Hein? Deuxième question. Je l'emprunte à cet auteur, je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'il dit, là, mais cette phrase-là, je suis d'accord avec elle complètement, c'est Eckhart, S-E-K-H-A-R-T, son nom de famille Tolle, qui a écrit « Le pouvoir du moment présent ». Et il dit une phrase assez incroyable. Il dit, une grande partie de la souffrance humaine est inutile. Ah non, j'ai attrapé la nouvelle! Totalement inutile. Il dit, une grande partie de la souffrance humaine, on se l'inflige à soi-même. Je suis parfaitement d'accord aussi. Et il dit surtout ceci, une grande partie de la souffrance humaine est associée à une forme ou à une autre de non-acceptation de ce qui est. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que je suis obligé d'être d'accord avec ce qui est. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire dans l'environnement, le plus tôt possible, il faut que je place mon attention sur l'inventaire des pistes d'action, que je passe à l'action. Et après être passé à l'action, s'il n'y a rien qui a fonctionné, et chaque mot que je prononce est important, s'il n'y a rien qui a fonctionné, je m'en rends compte. Et je passe dans un deuxième espace qui s'appelle lâcher prise. Aujourd'hui, on a confondu abandonner et lâcher prise. Ça n'a rien à voir. Abandonner, c'est avant d'avoir essayé. Lâcher prise, c'est quand on a tout essayé. Lâcher prise, ça vient d'un constat. Je constate que j'ai fait ça, je me suis fait aider. Eh bien, pour le moment, je suis devant une situation, pour le moment,
que je ne peux pas changer. Et je débranche la roulette. Alors, c'est fondamental, parce que cette dame, c'est ce qu'elle, et Tolley nous raconte ça, quand on est dans un état de résistance, c'est parce qu'on n'a pas lâché prise. Et derniers exemples, je me suis fait souffrir de façon inutile il y a beaucoup d'années, avec des banalités. Si on se fait souffrir avec de telles banalités, imaginez quand c'est plus grave. Quand j'ai rencontré ma compagne et sa fille, après avoir échangé ensemble, on a décidé d'un commun accord qu'elle viendrait vivre chez moi. C'était beaucoup plus facile. J'avais une maison, de l'espace, etc. Il y a une chose que j'avais oubliée, c'était mes habitudes de vieux garçon, de célibataire endurci. Après quelques semaines de vie commune, un matin, j'entre dans la salle de bain et pour la première fois depuis des années, la feuille du rouleau de papier hygiénique, au lieu d'être en avant du rouleau, est derrière le rouleau. Ça part dans ma tête. Comment ça se fait qu'ils mettent ça de même? C'est pas comme ça que ça va? C'est pas comme ça que ça va? Je viens de me lever! Je viens de m'éveiller. Je suis tout seul devant un rouleau de papier hygiénique en train de résister à ce qui est. Personne ne m'entend. Je ne suis pas obligé d'être d'accord, mais si je veux que ça change, que je place mon attention sur l'inventaire des pistes d'action, que je passe à l'action ou que je lâche prise. Mon père nous avait enseigné que quand on avait un tube de pâte à dents neuf, un tube de pâte dentifrice neuf, on commençait toujours à l'écraser par le bas. Ça faisait des années que j'écrasais mes tubes de pâte dentifrice en commençant par le bas. Après quelques semaines de vie commune, j'entre dans la salle de bain et pour la première fois depuis des années, il est écrasé n'importe où. Ça part dans ma tête. Elles n'ont pas compris qu'on va perdre du dentifrice, comprenez-vous? Je viens de me lever. Personne ne m'entend. Je suis tout seul devant un tube de pâte dentifrice en train de résister à ce qui est. Je suis pas obligé d'être d'accord, mais si je veux que ça change, que je place mon attention sur l'inventaire des pistes d'action, que je passe à l'action ou que je lâche prise. Tolley nous a suggéré une question magique pour lâcher prise. Une des plus profondes que j'ai jamais entendues de toute ma vie. Je l'utilise innombrables fois par jour. Ne me croyez pas utilisez-la. Et c'est la question suivante. Ai-je un problème en ce moment? La partie importante de la question, c'est « en ce moment ». Je suis dans un tube de pâte dentifrice. Ai-je un problème en ce moment? Ou je ne suis pas en train d'en fabriquer un avec quelque chose qui n'en est pas un? C'est fascinant. J'ai parlé de ça un soir dans une usine. Et les employés étaient là avec les conjoints et les conjointes. À la fin, il y a un jeune couple qui s'est avancé vers moi. Et c'est très grave ce que je vous dis là. Le monsieur me dit « j'ai honte de vous raconter ce que je vais vous raconter, mais peut-être que ça va être utile à d'autres. » Il dit « nous, on a un nouveau-né. » On a chacun notre nuit pour donner le biberon. Et la nuit dernière, c'était mon tour. Et j'avais mon bébé dans les bras comme ça. Là. Je trouvais qu'il buvait tellement lentement. Là. Je me suis mis à pousser sur le sac comme ça. Et je suis allé chercher une paire de ciseaux pour couper la tétine pour que le trou soit plus grand. Et j'ai constaté en vous écoutant que j'étais dangereux. J'ai dit bravo, bravo. En arrière, il y avait une autre dame qui m'a dit, non, ça c'est plus tard, dans une école au mois d'août, il y a quelques années, il y a une femme qui vient me voir à la fin rouge comme une tomate. Elle dit, moi aussi j'ai honte, mais j'aurais besoin de votre opinion et peut-être que ça va être utile à d'autres. Elle dit, moi j'ai un petit bout de chou, monsieur, tous les matins, l'habiller, c'est l'enfer. Il met ses pantalons, son chandail. Elle utilise une expression très, très répandue au Québec. Elle dit, je pogne les nerfs tous les matins. Elle dit, j'ai trouvé un truc, je l'habille la veille. Je pensais que ce serait la seule fois de ma vie que j'entendrais ça. Et c'est pas un truc que je vous donne. Mais si vous saviez, depuis que je raconte ça, le nombre de personnes qui sont venues me voir pour me dire « Moi aussi, je fais ça. » Elles disent « Est-ce que vous avez un truc? » J'ai dit « Oui, 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 oui. Pourriez-vous vous lever 15 minutes plus de bonheur? » Elle a fait « Mais c'est pas si facile. On est en train de se tirer dans le pied dans le rapport au temps et aux autres. Puis on est aussi en train de se tirer dans le pied dans le rapport à l'effort. » On travaille comme des fous, on court tout le temps, on n'arrête jamais. Et pourtant, on est en train de modifier le rapport à l'effort et c'est très grave. Quand j'étais enfant, si je voulais changer les chaînes de télévision, il fallait que je me lève de ma chaise pour tourner la roulette. Je me rassoyais. Si ça ne faisait pas mon affaire, même s'il y avait juste trois chaînes, il fallait que je me relève, que je retourne la roulette. J'apprenais malgré moi que pour obtenir ce que je voulais, il fallait que je fasse un effort. Aujourd'hui, il y a des enfants qui naissent avec une télécommande. Ils sont dans le berceau avec le mobile au-dessus. Boum, 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 boum. Il y a une femme qui m'a dit, c'est tellement vrai, monsieur, ma fille de 7 ans depuis sa naissance, les seules chaussures qu'elle a eues, c'est des chaussures avec du velcro. Chlouk, chlouk. Elle est frustrée, stressée, parce qu'il faut qu'elle fasse une boucle et elle trouve que ça prend trop de temps. C'est très grave. Impossible de traverser toute une existence sans avoir à faire des efforts. Si ce n'est que pour apprendre. Parfois, c'est pour se sortir du lit le matin. Ne me croyez pas. Croyez rien de ce que je vous ai dit. Faites-le. À qui je fais mal? J'ai un problème en ce moment. Sans direction, cohérence avec les valeurs, c'est fondamental. Et surtout, surtout, don't miss the show. Merci beaucoup pour votre attention. C'est fini.
Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment.